Bonjour, donc je m'appelle Christian Mirette, on est là sur mon élevage à Invic, commune littorale entre Morlaix et Saint-Paul-de-Léon. Comment je me sens concerné? L'élevage étant consommateur d'énergie, l'attente sociétale aujourd'hui est forte quant aux évolutions de consommation d'énergie, notamment fossile. Donc toute démarche que l'on peut entreprendre pour la réduire ne sera que bien acceptée. C'est la raison pour laquelle j'ai fait différentes étapes de process, on va dire, de production d'énergie sous exploitation. Pompe à chaleur, panneau solaire thermique, pour finir avec aujourd'hui avec du nénuphar. Donc on capte du biogaz dans la fosse à lisier à l'état. On fait que le capter sans autre préparation du lisier. Il y a une chaudière spécifique derrière qui me permet de le consommer pour chauffer l'eau. Donc ce qui me permet de dire qu'aujourd'hui, en additionnant le solaire et le biogaz, j'économise pratiquement 90 à 95% de la consommation d'énergie fossile sur l'exploitation. Donc je considère que c'est un pari réussi. Donc les choix que j'ai faits là sur l'élevage contribuent à la réduction de constitution des particules fines et surtout à l'émission de l'élevage des gaz à effet de serre.